Donc là, on est parti pour aller chercher les deux ours là-bas. Donc, je peux pas mettre accroupi. Si je mets accroupi, je les effraie tout de suite. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas se mettre accroupi. Hein. Si vous me mettez accroupi, c'est comme si vous étiez debout. Hein. Donc, on va y aller en rampant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. La technique avec l'appareil photo, moi j'appelle ça le drone, la technique du drone. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle justement la technique du drone. Ça vous permet de voir tout ce qu'il y a au loin et ce qu'il y a derrière les collines grâce à l'appareil photo que vous transformez en drone en fait. Donc là, normalement, je l'ai eu là. Hein. 565 mètres, je pense que j'ai fait tire-poumon. Moi, je n'abats jamais les deux. Malheureusement, à cause des jumelles, je ne sais pas si j'ai fait femelle ou mâle. Je ne sais pas. Mais il me semble que j'ai fait poumon. Ours noir. Donc ici c'est vraiment un coin ours. Hein. Je suis ici. Voilà. J'ai acheté le permis de chasse ici. 4 500 $ ou 4 200 $, je sais plus. Mais enfin voilà. J'ai acheté celui-ci aussi. Là c'est énormément d'élan. Élan canard. J'ai acheté celui-ci. Élan canard. Et ici, apparemment, c'est plutôt wapiti et ours. Ce qui me perturbe, c'est que je ne vois pas la tache de sang. Là, là. Ok. Donc la tache, la première tache là, je pense. Ouais, beaucoup de sang. Normalement, ça doit être bon. Hein. Hop. C'est quand même fort bordel. Hein.
Donc on va par là. Voilà. On avance tout doucement. Alors ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai une zone de sang comme ici, j'appuie sur L2. Ça laisse un petit repère. Comme ça, même si je vais repartir la trace, je peux retourner à ma dernière trace trouvée. Si je mets un point, hop. Je vais essayer de retrouver normalement. Donc je suis arrivé ici. Aïe aïe aïe. Les traces ont disparu. Normal, il est là. La poumon. Poumon, ça j'en étais sûr, ça. Ça... Et à mon avis, c'est une femelle. Non, un mâle. Un mâle 3 étoiles. Ben, c'est parfait, mâle 3 étoiles. Hop. On perd 89 kilos de viande. Ça fait quand même un total de 966 dollars, quoi. On va dire dollars. Hein. Ben voilà, il n'y a plus qu'à vendre.